Bon, ça je ne saurais me prononcer parce que quand même, ça c'est un travail en interne, peut-être que le parti... Oui, nous sommes ouverts, ça le président l'a dit. Et partout où il est passé, il a dit il y a plusieurs options. Soit je conduis une liste, soit je serai à l'opposition, ou c'est possible qu'il aille même avec la mouvance présidentielle, il l'a dit. Donc nous sommes en discussion. En tout cas, ce qui vaille aujourd'hui, c'est l'intérêt de l'UCS, c'est clair. Et pour cela, le parti d'une manière générale a donné confiance, a donné mandat au président pour aller discuter. Mais absolument, rien n'est écarté, nous sommes en politique. En tout cas, le moment venu, le parti jugera. Voilà, vous êtes un ami personnel de Khalifa Sall. Ouais. Aujourd'hui, il y a des problèmes avec la justice. Et vraiment, qu'est-ce que vous avez à dire comme message? Ah mais vous savez, ça, à écouter à travers les médias, vous savez que tous les Sénégalais à 90% ne sont pas d'accord par la démarche du pouvoir. Nous avons constaté en 5 ans de pouvoir... Il y a eu plus d'opposants qu'on a acheminés vers les prisons. Abdoulaye Wade, en 12 ans, Macky Sall le dépasse de très loin. Et c'est pas, comme on le dit, c'est pas normal. Le pays-là nous a percés tous. Khalifa Sall est une imminente personnalité du Sénégal. Il est dans l'association des maires d'Afrique. Il dirige, il est dans l'association mondiale des maires francophones avec notre président Abdoulaye Baldé. Donc ce n'est pas élégant. Ce n'est pas élégant ce qui se passe. Et Macky Sall ne mérite pas ça. Moi je pense, Khalifa Sall ne mérite pas cela. Parce que quelque part, ce qui nous, les bandes annonces qui se passent au niveau des télévisions ou des rédactions, ce qu'il avait dit et ce qu'il est en train de faire, il y a un océan entre les deux paroles. Un recul nettement démocratique. Khalifa Sall, moi je pense, son arrestation est liée politiquement à sa position politique. S'il était aujourd'hui avec Borné Bokayakar, il n'allait pas connaître ce sort-là. C'est quelque part, il a déclaré sa candidature pour les élections législatives et pour les élections présidentielles, on veut couper ses ambitions. Je dis, en tout cas, je voudrais lancer un appel au président Macky Sall pour qu'il revienne à la raison. Le Sénégal nous appartient tous, c'est les Sénégalais qui vont élire et ces actes qu'il est en train de nous de poser vont demain lui valoir en tout cas des défaites qui il s'en voudra à lui-même quelque part. Donc moi je dis quelque part, le maire l'a dit, nous sommes tous des Khalifa aujourd'hui. Nous sommes solidaires parce qu'il est maire comme nous. Nous sommes solidaires parce que c'est un homme politique. Nous sommes solidaires quelque part parce qu'il est de l'opposition. Donc, voyez-vous, voilà ce que je voudrais dire. Et prier en tout cas pour que le bon Dieu, véritablement, le sorte de cette situation, pour que véritablement il puisse retrouver ses siens. Voilà ce que je voudrais dire sur le cas Khalifa Sall.